Il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans, Gérald van der Kemp, conservateur du musée de Giverny et de ses jardins, a restauré la propriété, le jardin et la maison de Monet. Il n'avait pas totalement terminé. Nous avons considéré, l'Académie des Beaux-Arts et moi-même, qui suis pour l'instant directeur de cette fondation, qu'il fallait compléter ce que souhaitait van der Kemp. Nous sommes aujourd'hui à la veille de l'inauguration et nous pouvons présenter l'atelier de Claude Monet, mon atelier salon, dans l'état où, et dans l'atmosphère surtout, où il se trouvait il y a maintenant près de 60 ou 80 ans. Le souci premier était la vérité historique, c'est-à-dire avec une très grande rigueur, de regarder les photos, de vérifier avec le catalogue établi par Daniel Wildenstein, le catalogue raisonné de l'œuvre de l'artiste, qui regroupe les 2000 peintures exécutées par Monet, celles qui s'y trouvaient en étudiant bien précisément leur historique. C'est comme un petit peu un parcours de sa vie, un rappel de toutes ses étapes jusque dans les années 1920. Moi, j'ai voulu vraiment qu'on colle à la réalité sans mentir, sans montrer des objets qui n'existaient pas. Il y a un ou deux objets qui avaient disparu, une lampe que j'ai fait redessiner exactement d'après la photo. Ce qui était important, c'est qu'on ne trahisse pas la mémoire, mais qu'on soit juste par rapport au projet qu'on s'était fixé, c'est-à-dire reconstituer une ambiance telle qu'elle était à l'époque. Effectivement, ce qui est important, c'est que le visiteur, quand il va rentrer dans cette pièce, il ait une émotion et qu'il lui donne envie d'aller voir les originaux. Et c'est ça qu'on cherche, c'est que tout à coup, il soit saisi et qu'il aille au-delà du côté mémoire de tout ça pour aller voir les œuvres et éprouver une vraie émotion artistique.